Bon, j'ai des choses à te dire, Karim. Oui, c'est vrai, j'ai déconné durant toutes ces années à pas sélectionner. Je ne fais qu'éviter la question, tout ça est sans raison ces dernières saisons. J'ai choisi Olivier et Antoine Griezmann à la tête du projet. Comme des condamnés, on se retrouve en face pour parler de nos erreurs. Tu es le meilleur, tu es le meilleur, meilleur attaquant, connais pas tout, tu es entraîneur. Oui, tu es le meilleur, je t'encadre depuis que je suis sélectionneur. Tu es le meilleur, meilleur attaquant, connais pas tout, tu es entraîneur. Oui, tu es le meilleur, je t'encadre depuis que je suis sélectionneur. Si bien je me rappelle, toi t'entraîner l'OM. Je jouais numéro 9, on attaque avec CR7. Et je venais te chercher chaque veille de match dans ma Clio. Lorsqu'on bougeait le lundi, je te payais toujours le resto. On s'était retrouvés, sélection française. On dansait sur du booba, je ne pouvais qu'être fier. J'ai eu une sale affaire, tu n'as pas voulu me soutenir. La presse française s'amusait à me salir. Et malgré tous ces faits, je ne pouvais oublier l'histoire avec les bleus, mais surtout avec toi Didier. Je suis prêt à ne plus penser à ces attaques gâché, Dédé réveille-toi, le mondial je veux le jouer. Oui c'est vrai j'ai déconné durant toutes ces années à pas me sélectionner. Je ne fais qu'éviter la question, tout ça est sans raison ces dernières saisons. J'ai choisi Olivier et Antoine Griezmann à la tête du projet. Comme des condamnés, on se retrouve en face pour parler de nos erreurs. Tu es le meilleur, tu es le meilleur. Didier Deschamps, y'a pas meilleur sélectionneur. Tu es le meilleur, tu es le meilleur. Même Zizou n'arrive pas à ta hauteur. Tu es le meilleur, tu es le meilleur. Meilleur attaquant, connais pas que tu es entraîneur. Oui, tu es le meilleur, tu es le meilleur. Je pense qu'à toi depuis que tu sélectionneur. Quand la cassette, la justice viennent, les galères s'enchaînent. Et les sélections sont aussi rares que mes échecs. Je continue ma route, mais je vais pas tenir. On essaie de s'appeler, mais on n'a plus rien à se dire. Pardonne-moi pour toutes les déclats que j'ai malheureusement tenus. T'es un grand homme et le temps a fait de toi un inconnu. Un jour je prends la porte, un jour je suis champion d'Europe. Ne compte plus mes succès, je suis devenu un ancien pote. Je t'écrivais en texto, toi tu me répondais rarement. Économie de forfait ou mon simple bannissement. Souvent j'ai mal compris, toi t'as commis des erreurs. Mais je veux recoller les morceaux car tu restes le meilleur. On avait tout pour s'entendre, il suffit de rien pour l'être. Et si Griezmann est roi, Giroud n'est pas un maître. Encore une nuit blanche à nourrir de notre histoire. Ce soir mon cœur bat, ce n'est pas un bruit couloir. Oui c'est vrai j'ai déconné durant toutes ces années à pas sélectionner. Je ne fais qu'éviter la question, tout ça est sans raison ces dernières saisons. J'ai choisi Olivier et Antoine Griezmann à la tête du projet. Comme de condamnés, on se retrouve en passe pour parler de nos erreurs. Tu es le meilleur, tu es le meilleur. Didier Deschamps, y'a pas meilleur sélectionneur. Tu es le meilleur, tu es le meilleur. Même Zizou n'arrive pas à ta hauteur. Tu es le meilleur, tu es le meilleur. Meilleur attaquant, connais pas que tu es entraîneur. Oui, tu es le meilleur, tu es le meilleur. Je t'encadre depuis que je suis sélectionneur. J'ai mis sur ton trajet une liste bien cachée. Sur le recto de la feuille, 23 noms sont ajoutés. Après des réflexions et ma prise de position, là aussi mon Karim, mais ouais, c'est pas pour toi cet été. Tu es le meilleur, tu es le meilleur. Mais c'est trop tard, Giroud sera grand buteur. Tu es le meilleur, tu es le meilleur. Si tu veux jouer pour la France, t'as qu'à devenir skieur. Tu es le meilleur, tu es le meilleur. Mais c'est trop tard, Giroud sera grand buteur. Tu es le meilleur, tu es le meilleur. Si tu veux jouer pour la France, t'as qu'à devenir skieur. Yeah.
Si vous avez kiffé la parodie musicale, abonnez-vous à la chaîne, likez bien évidemment la vidéo et partagez-la. Et est-ce qu'à votre avis, Karim Benzema aurait dû participer à ce mondial en Russie cet été? Je vous dis à la prochaine, c'était Vodiapone, plein de bisous, peace!